Bienvenue dans cette nouvelle bulle de légèreté. Aujourd'hui, cette séance va vous aider à vous libérer des liens négatifs que vous entretenez avec des personnes ou avec des situations. Par exemple, vous pouvez être en colère ou fâché contre quelqu'un. Et que vous en ayez conscience ou non, cela vous affecte moralement et physiquement. Moralement, car vous entretenez des pensées négatives envers cette personne. Physiquement, car vous avez des tensions dans votre corps, des tensions qui s'amplifient dès que vous pensez à cette personne. Ces liens négatifs peuvent aussi être des liens liés à des situations, à des événements vécus dont vous n'arrivez pas à vous détacher. Peut-être culpabilisez-vous pour un événement qui s'est passé. Peut-être avez-vous peur qu'il arrive un accident, peur de manquer d'argent, peur d'autre chose. Peut-être avez-vous vécu des événements traumatisants qui vous empêchent d'avancer, par peur qu'ils se reproduisent. Également, peut-être y a-t-il une personne qui est liée avec vous par la peur. Ce peut être la peur que vous la quittiez, la croyance que vous êtes la seule source d'énergie ou de bonheur. Dans ce cas aussi, une corde peut se tisser entre vous deux. Ceci étant dit, observez déjà comment ces liens vous empêchent d'avancer léger, d'être complètement libre. Peut-être ressentez-vous maintenant un peu plus consciemment que vous épuisez votre énergie dans des relations ou dans des situations. Pendant la séance d'aujourd'hui, vous allez pouvoir déposer vos bagages et couper les liens négatifs qui ont pu se créer. Ces liens sont aussi connus sous le nom de liens d'attachement, car l'attachement n'est pas de l'amour. En coupant le lien, vous ne rejetez ni abandonnez la personne. Vous choisissez simplement de vous détacher de la partie non fonctionnelle, de la partie craintive et dépendante de la relation. La partie aimante reste toujours attachée à la relation, soyez-en certain. Vous allez également vous pardonner vous-même, ainsi que les personnes. Pardonner ne signifie pas non plus que vous allez reprendre une communication active avec la personne, si tel n'est pas votre désir. Au final, couper les liens et pardonner signifie simplement vous libérer. Vous libérer de l'attachement négatif que vous entretenez avec les personnes. Libérer les tensions dans votre corps. Vous libérer tout simplement. Comme si des boulets étaient attachés à vos pieds depuis longtemps. Et que vous décidiez aujourd'hui d'arrêter de les traîner avec vous. Pour avancer léger, pour avancer simplement, avec fluidité et aisance. Vous savez certainement avec quelle personne vous entretenez ce genre de lien négatif. C'est déjà une belle prise de conscience que de reconnaître l'existence de ces liens. Et c'est un beau cadeau que vous vous offrez de prendre le temps de travailler sur vous pour couper ces liens toxiques afin d'avancer léger et en paix. Pour commencer, je vous propose de poser cette intention à l'oral ou dans votre tête et de l'ancrer avec force et détermination. Je choisis de couper les liens d'attachement qui me limitent. Je choisis également de me pardonner, afin d'avancer libre et léger dans la vie, rempli de bienveillance, de confiance et de sérénité. Je choisis de couper les liens d'attachement qui me limitent. Je choisis également de me pardonner, afin d'avancer libre et léger dans la vie, rempli de bienveillance, de confiance et de sérénité. Je choisis de couper les liens d'attachement qui me limitent. Je choisis également de me pardonner, afin d'avancer libre et léger dans la vie, rempli de bienveillance, de confiance et de sérénité. À présent, je vous invite à prendre 3 profondes respirations. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire.
Très bien. Maintenant bien centré, reprenez une respiration normale. Respirez tranquillement, à votre rythme. Je vous invite à vous mettre dans une position le plus confortable possible pour vous. Une position allongée, certainement. Autorisez-vous à vous laisser aller. Autorisez vos bras et vos jambes à s'alourdir. Votre corps commence à se détendre. Vous le ressentez de plus en plus lourd. Portez votre attention sur votre respiration. Sentez l'air frais qui entre et qui sort. Visualisez les mouvements de votre corps, les mouvements de votre ventre. Ici, vous êtes dans un espace sécurisé. Dans cet espace, vous allez pouvoir vous endormir à n'importe quel moment. Maintenant, après quelques respirations, ou n'importe quand pendant la séance. C'est vous qui choisissez. Même en état de sommeil profond, votre partie inconsciente va assimiler les messages et vous vous sentirez léger et de plus en plus libre après chaque nuit, dès votre réveil. Dans cet espace, vous n'avez rien à faire, même pas à essayer de vous relaxer. Portez juste votre attention sur votre respiration. Observez le va-et-vient de l'air dans votre corps. Sentez votre ventre qui se gonfle et se dégonfle. Devenez un simple observateur. Voilà. Et maintenant, prenez à nouveau 3 profondes respirations. Chaque respiration peut être plus longue que la précédente. Inspirez la force et le courage. Expirez les tensions. Inspirez la positivité. Expirez la négativité. Inspirez la bienveillance. Expirez le jugement et la critique. Très bien. Observez maintenant votre respiration, une respiration régulière. Chaque respiration permet de détendre votre corps de plus en plus. Votre visage se relaxe. Votre nuque, la tête, les épaules se détendent. Le ventre laisse aller toutes les tensions. Les bras, les mains relâchent tout le stress. Toutes les tensions de votre corps s'échappent. Votre estomac relâche les tensions, se détend. Le bassin, les cuisses, tous les muscles se détendent complètement, de plus en plus au fur et à mesure des respirations. Comme si les muscles se dénouaient complètement, des cuisses jusqu'aux mollets. Tous les muscles de votre corps se détendent jusqu'au plus petit orteil. Inspirez l'air et sentez les tensions qui peuvent encore être présentes. À l'expiration, relâchez les tensions que vous venez de visualiser dans votre corps. Maintenant, imaginez un liquide qui vous remplit du haut de la tête jusqu'au bas de votre corps. Ce liquide passe par votre front,
par les yeux, la gorge, le cœur, le ventre, le bassin, les cuisses, les genoux, les pieds. Ce liquide, de la texture que vous choisissez, de la couleur que vous voulez, vous détend de plus en plus en vous apportant tous les nutriments et toutes les bonnes énergies dont votre corps a besoin. Quand vous êtes prêt, imaginez que ce liquide lave toutes vos inquiétudes, lave toutes les tensions, qu'elles soient physiques, émotionnelles, toutes ces peurs, ces négativités que vous portez. Autorisez-les à être absorbés par ce liquide. Ce liquide qui vous nettoie de toutes les blessures, de toute la tristesse, la colère. Tout ce qui vous préoccupe peut maintenant filer, être lâché. Car c'est simple d'imaginer ce liquide qui absorbe tous vos problèmes. Et peut-être que le liquide change de couleur pour refléter ce nettoyage émotionnel, ce nettoyage physique. Une partie de vous peut voir, observer, prendre conscience du nettoyage qui se fait. La négativité qui file dans ce liquide. Et quand vous êtes prêt, imaginez ce liquide qui sort de votre corps. Il sort par les pieds. Ce liquide emmène toutes les tensions et toute la négativité. Et pendant que le nettoyage se fait, tous les problèmes, l'anxiété, le stress, toutes les raisons de se sentir mal partent avec. Tous les aspects de cette vieille négativité sortent, s'échappent maintenant de plus en plus. En même temps que votre corps se détend de mieux en mieux. Le liquide circule de façon fluide. L'eau qui s'échappe est de plus en plus claire. Observez, ressentez ce qu'il se passe dans votre corps. Les résidus de négativité sont de moins en moins présents dans votre corps. Vous vous sentez de plus en plus léger, un nouveau goût de légèreté. Vous avez pris comme une bonne douche d'énergie régénérante qui a emporté toutes les tensions et vous a rafraîchi complètement. Vous vous sentez nettoyé, purifié. Toutes vos cellules sont régénérées, vos organes revitalisés. Ressentez l'état de bien-être et de paix dans lequel vous vous sentez. Maintenant, comptez de 9 à 1 pour vous permettre d'aller encore plus profondément dans un état de calme et de relaxation. 9, 8. Vous pouvez imaginer que vous marchez tranquillement sur un beau chemin au milieu d'une forêt. Une forêt verdoyante, calme. 7. Encore plus relaxé, vous prenez le temps d'observer les arbres, les fleurs,
les feuillages. 6. Vous entendez le doux chant des oiseaux et cela vous ravit. 5. Plus vous respirez l'air sain de la forêt, plus votre corps se détend. Telle une poupée de chiffon. 4. Peut-être voyez-vous un panneau sur un tronc d'arbre avec l'inscription suivante. Direction, libération des liens négatifs. Libération des liens d'attachement. Et vous vous voyez partir vers cette direction, joyeux et confiant. 3. De plus en plus détendu. Vous prenez le temps de vous émerveiller des beautés de la nature. 2. 1. Complètement détendu et relâché, vous êtes maintenant arrivé à destination. Vous distinguez clairement une première personne avec qui vous entretenez des liens d'attachement négatifs. Observez-la. Peut-être est-ce votre père, votre mère, votre conjoint, un ami, un collègue, je ne sais pas, c'est vous qui savez. Maintenant, vous vous rendez compte qu'il y a un sac derrière votre dos, un sac lourd, un sac pesant, qui contient des événements douloureux, des émotions négatives, des peurs peut-être, des dépendances en lien avec cette personne. Prenez le temps de regarder le contenu du sac. Prenez le temps de ressentir vos émotions. D'évaluer le poids de ce sac. Peut-être sentez-vous comme une odeur piquante. Peut-être avez-vous un goût amer. Observez, visualisez, ressentez. Quand vous vous sentez prêt, décidez de déposer ce sac en bas d'un arbre. Peut-être allez-vous choisir un chêne robuste, un sapin. Qu'importe. Cet arbre va vous aider à recycler tout le contenu du sac pour qu'il revienne transmuté avec les souvenirs heureux, les émotions négatives. Et pendant que votre sac se recycle, vous vous positionnez maintenant face à la personne. Je vous invite à visualiser une corde posée sur le sol. Cette corde forme un chiffre 8. Cette corde est entourée de lumière dorée. Maintenant, positionnez-vous dans une moitié du 8. Voilà, très bien. Maintenant, dans l'autre moitié du 8, placez la personne. Voilà. Vous êtes maintenant face à face. Chacun dans une boucle du 8.
Maintenant, imaginez 7 cordes, des cordes de couleur qui vous relient par vos principaux centres énergétiques, vos chakras. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement où sont situés ces centres. Ressentez tout simplement, en observateur, sans juger. Visualisez juste 7 cordes. Une corde rouge relie vos chakras racines, situés au niveau du périnée. Visualisez maintenant une corde orange. Cette corde orange relie votre chakra sacré au chakra sacré de la personne en face de vous. Ce chakra est situé au bas de votre ventre, sous le nombril. Maintenant, visualisez une corde jaune qui relie vos plexus solaires en haut de l'abdomen. Visualisez maintenant une corde verte qui relie vos chakras du cœur, situés au centre de la poitrine. Une corde bleu ciel relie également vos centres énergétiques de la gorge. Maintenant, visualisez une corde violette qui relie vos chakras du troisième œil. Ce chakra est situé entre les deux sourcils. Et enfin, visualisez une corde bleu foncé qui relie vos chakras couronne. Ce chakra couronne est situé au sommet du crâne. Voilà. Vous avez maintenant 7 cordes. Ces 7 cordes des couleurs de l'arc-en-ciel relient vos différents centres énergétiques. Par ces cordes, de l'énergie peut circuler. Maintenant, vous allez décider tout simplement de couper ces liens afin de préserver votre énergie. Avant de couper ces liens, émettez cette intention de pardon. Cela peut vous paraître difficile la première fois, mais si vous êtes ici, cela signifie que vous êtes prêt à pardonner afin de vous libérer, afin d'avancer dans la vie. Regardez la personne dans les yeux et émettez cette intention afin de vous libérer encore plus en profondeur. Je me pardonne, je te pardonne, je nous pardonne. Inspirez et expirez profondément. Je me pardonne, je te pardonne, je nous pardonne. Inspirez et expirez. Une troisième fois. Je me pardonne, je te pardonne, je nous pardonne. Inspirez et expirez. Voilà. Maintenant, vous pouvez couper ces liens, un par un, avec un objet tranchant, une épée, des ciseaux. Un couteau, qu'importe. Vous pouvez également visualiser quelqu'un qui vous aide à couper tous ces liens. Une personne que vous connaissez, une personne qui vous guide,
Voilà. La corde rouge est maintenant coupée. Vous vous sentez de plus en plus stable. La corde orange est également coupée. Ressentez votre bien-être et votre plaisir qui grandissent. La corde jaune est coupée. Vous vous sentez équilibré de plus en plus. La corde verte est également coupée. Cela vous remplit d'amour. Vous sentez cette énergie d'amour qui coule avec fluidité dans tout votre corps. Autour de la corde bleu ciel maintenant, qui relie vos chakras de la gorge. Vous communiquez avec aisance. La corde violette est maintenant coupée. Vous décidez de suivre votre intuition chaque jour et de vous faire confiance. La corde foncée, la corde bleue foncée est également sectionné. Vous vous sentez relié et encore plus confiant. Voilà. Toutes les cordes sont maintenant coupées. Ressentez. Observez-vous. Comment vous sentez-vous? De plus en plus relaxé, plein de confiance, léger sûrement. Profitez de cet état de bien-être. Et maintenant, posez cette intention en regardant la personne dans les yeux. Je suis libre. Tu es libre. Nous sommes libres. Je suis libre. Tu es libre. Nous sommes libres. Je suis libre. Tu es libre. Nous sommes libres. Et ressentez la libération. Prenez le temps de ressentir la joie qui vous envahit, le sentiment de liberté retrouvée. Remplissez-vous de toutes ces belles énergies de libération, de relaxation. C'est comme si vous aviez enlevé tous vos fardeaux, comme si vous aviez détaché tous les boulets à vos pieds. Vous vous sentez léger et libre, libre comme un oiseau, libre d'aller partout, en toute liberté. Quel bonheur, quelle sensation agréable. Maintenant, vous allez reprendre le sac que vous avez déposé au pied de l'arbre et observez. Le contenu du sac a changé. Prenez le temps de l'observer. Il est beaucoup plus léger.
En y regardant de plus près, vous distinguez un cadeau. Et ce cadeau contient un objet qui symbolise la nouvelle relation saine que vous avez choisi d'avoir avec cette personne. Prenez votre temps. Et quand vous êtes prêt, vous allez pouvoir remettre ce cadeau à la personne. Voilà. Comment vous sentez-vous? Vous pouvez maintenant lui sourire, si vous le souhaitez. Vous pouvez l'embrasser, lui faire un geste de la main, prendre cette personne dans vos bras, si vous en avez envie. Faites simplement un geste qui vous semble naturel en vous écoutant. Et laissez partir tranquillement cette personne, le cœur léger et confiant. Vous allez pouvoir faire venir dans cette corde en forme de 8 toutes les personnes que vous souhaitez, les unes après les autres, et refaire les mêmes étapes afin de couper les liens négatifs et vous libérer. Vivez simplement la scène avec sincérité et profondeur. Débarrassez-vous de vos bagages. Pardonnez. Coupez les cordes des couleurs de l'arc-en-ciel qui vous relient et donnez un cadeau symbolique. Vous n'avez pas besoin de savoir précisément les couleurs et les chakras si vous n'êtes pas encore familier avec ces centres énergétiques. Imaginez juste des cordes qui vous relient. Peu importe les couleurs, peu importe les localisations exactes, l'intention de couper les liens d'attachement est le plus important dans cette visualisation. Pensez bien à maintenir la visualisation jusqu'à ce que toutes les cordes aient été sectionnées. Également, je vous invite à faire venir dans cet espace, si ce n'est déjà fait, votre mère, votre père. Ceci afin de couper les liens d'attachement que vous avez forcément avec eux. À présent, je vais vous laisser quelques instants. Vous allez pouvoir faire venir toutes les personnes avec qui vous souhaitez couper les liens d'attachement. Allez-y.
Bravo. Sentez complètement la libération qui vient de s'opérer juste par votre volonté de couper tous ces liens qui vous bloquent. Dès que vous sentirez que des liens se sont recréés, vous allez pouvoir refaire cet exercice, rien que par votre imagination, à n'importe quel moment de la journée. Si vous le souhaitez, vous pouvez également dessiner des petits bonhommes d'allumettes sur des papiers et procéder selon la méthode de Jacques Martel pour couper les liens d'attachement en s'aidant d'un support papier. Voilà, maintenant nous allons reprendre le même exercice de visualisation, mais cette fois-ci en faisant venir une situation. Imaginez-vous toujours positionné dans une boucle du 8. Et maintenant, laissez venir à vous une situation qui vous freine dans la vie. Prenez le temps. Ce peut être la peur de quelque chose. Un événement traumatisant. Un événement passé qui vous angoisse. Une peur, un manque. C'est vous qui savez. Prenez le temps de ressentir votre état d'esprit et les tensions dans votre corps à la pensée de cette situation qui vous préoccupe. Et maintenant, associez à cette situation un objet. Un objet qui pourrait symboliser cette situation. Peut-être une balle de couleur. Un objet métallique. Une boîte carrée. En velours. De l'argent peut-être. Prenez le temps de visualiser cet objet. D'observer les couleurs, de regarder sa forme, de le toucher. Peut-être dégage-t-il une odeur. Voilà, maintenant projetez cet objet sur la boucle du 8 en face de vous et imaginez toutes les cordes qui vous relient à cet objet. Cette corde des couleurs de l'arc-en-ciel vous relie à différents endroits de l'objet. Vous pouvez également imaginer simplement une grosse liane rugueuse, épaisse, plus ou moins longue. C'est vous qui savez. Et maintenant, posez l'intention suivante. Je coupe les liens d'attachement avec cette situation. Je me pardonne et je me libère ici et maintenant pour mon plus grand bien-être. J'inspire et j'expire. Je coupe les liens d'attachement avec cette situation. Je me pardonne et je me libère ici et maintenant. Pour mon plus grand bien-être. J'inspire et j'expire. Je coupe les liens d'attachement avec cette situation. Je me pardonne et je me libère ici et maintenant pour mon plus grand bien-être. J'inspire et j'expire. Les cordes se coupent les unes après les autres. Maintenez la visualisation jusqu'à ce que toutes les cordes aient été coupées.
Voilà, très bien. Maintenant, constatez que les liens sont tous coupés. Ils ont peut-être été coupés par une épée, par un rayon laser, qu'importe. Ressentez simplement le grand sentiment de liberté qui vous envahit de plus en plus. Sentez-vous comment l'air autour de vous est léger et frais. Profitez-en pour vous remplir d'air frais, d'air léger, et plus vous respirez, plus la détente vous envahit. Envahit tout votre corps, de la tête aux pieds, et des pieds à la tête. Et plus votre esprit est léger. Ressentez, tout votre être est libéré, serein, relaxé. Y a-t-il d'autres situations avec lesquelles vous souhaitez couper des liens négatifs? Je vous laisse quelques instants fouiller dans votre esprit et refaire cet exercice de visualisation pour couper les liens d'attachement avec toute situation qui vous limite. Allez-y.
voile. Comment vous sentez-vous? De plus en plus détendu, de plus en plus relaxé. Vous pouvez refaire cet exercice de visualisation autant de fois que vous le souhaitez, dès que vous en ressentez le besoin et à tout moment de la journée, simplement pour vous sentir bien, détendu, détaché. Voilà, vous pouvez être fier de vous, fier d'avoir eu le courage de couper ces liens toxiques pour que n'existent que des liens d'amour bienveillants, des liens d'amour de compassion, d'unité. Vous vous sentez le cœur léger, heureux, en harmonie avec vous-même et tout votre univers. Vous allez maintenant pouvoir continuer votre voyage et avancer avec légèreté et fluidité. Explorez tout ce qu'il y a à explorer. Vivez de belles expériences sans limites. Vous marchez maintenant d'un pas léger et libre dans la forêt. Vous respirez les bonnes odeurs des feuilles, des fleurs. Des animaux que vous appréciez vous saluent sur votre passage. De nombreux chemins s'offrent à vous à présent. Lequel allez-vous choisir? Je ne sais pas. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. C'est vous qui détenez la clé, qui ouvre toutes les portes, et vous pouvez tout simplement vous faire confiance pour prendre les bonnes décisions, toujours centré sur votre cœur et sur votre intuition. Vous pouvez maintenant continuer votre chemin, découvrir de nouveaux sentiers et vous laisser guider avec confiance. Si vous le souhaitez, pour avancer dans la vie encore plus confiant, voici quelques affirmations positives que vous pouvez vous répéter. Je m'endors dans le bonheur, car je sais que tout va bien dans mon univers. Je trouve facilement des solutions aux défis et aux obstacles. Et je les dépasse rapidement. Je me sens fort, confiant, plein d'énergie positive. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je me libère des colères et des blessures passées, et je me remplis de sérénité et de pensées positives. J'observe mes émotions sans m'y attacher, et je comprends les messages facilement. Même quand il y a du chaos autour de moi, je reste calme et centré. La paix m'envahit maintenant et pour toujours. Je vous laisse maintenant continuer ce doux voyage vers la libération, vers l'exploration de vos rêves les plus doux. Et une petite citation pour finir. L'amour est le plus puissant, comme le plus doux des liens,
qui unit entre elles les créatures humaines. Passez une excellente nuit pleine de rêves, pleine de libération. Libre et léger, comme un oiseau.